La demi-finale du concours de biérologie a eu lieu aujourd'hui. Ce grand rendez-vous a pour but de former les étudiants en hôtellerie et restauration. Il est vrai qu'il est souvent difficile de bien servir une bière sans qu'elle ne déborde ou qu'il y ait trop de mousse. Alors pour mettre ces futurs professionnels à rude épreuve, eh bien ils ont dû passer quelques exercices pratiques comme de servir une bière à la pression ou en bouteille, savoir allier les bières avec certains mets ou bien de réaliser de bons cocktails toujours à base de houblon. La demi-finaliste de ce concours, qui s'appelle Maréva Petitjean, nous explique toutes les difficultés rencontrées pour être une vraie spécialiste de la bière. On l'écoute au micro de Charlotte Notgame. C'est très complexe, ça dépend si c'est du sucré, du salé, en fonction de l'envie des gens, si c'est un homme, une femme, si c'est plutôt à quel moment de la journée. Donc il faut prendre en compte, je pense, beaucoup de facteurs. C'est pas seulement allez hop, on va vous servir une blonde parce que voilà, la blonde c'est génial, c'est des alters. Non, non, je pense que quand on veut vraiment être professionnel, il faut être assez pointu et assez carré sur la recherche de ce que veut le client. Ça aide les élèves non pas pour leur insertion professionnelle, mais surtout pour leur connaissance personnelle. C'est-à-dire c'est un plus, c'est de la culture. Il faut avoir la culture bière dans la tête. Surtout, je le répète, dans notre région, c'est primordial. Nous ne sommes pas des buveurs de vin, nous sommes des buveurs de bière.